Salut les potos, c'est Spizilio, on se retrouve sur Yokal. Alors bon, la dernière fois, on était un peu perdu, c'est juste que j'avais fait un peu tôt. Alors bon, la technique, c'est assez simple. Alors bon, vous voyez qu'on est maintenant, présentement, ben, on est sur l'eau. Puis voilà qu'on peut pas passer cette grille, mais si, je dis bien si, on appuie sur CTRL et on fait L-Shift pour descendre, ben, ça shift. On peut passer à travers et voir qu'il y a une belle petite citrouille ici. Et aussi une méchante méduse qui va nous attendre, je pense, si je me trompe pas. Ok, méduse et nous. Méduse va essayer de nous piquer. Alors bon, là, voilà, on a passé à travers. Alors bon, on a des citrouilles. Une belle gueule de citrouille, hein, on peut se dire. Alors on va... Il te faut 7 pages pour découvrir. Mais oui, je veux le découvrir. Bon, de toute façon, on en a 25. C'est comme si j'avais fait pas assez. Alors bon, le but de développer des tomes, c'est juste pour finir le tome pour avoir plus de pages. Mais bon, si c'est pas très... N'oubliez pas que vous pouvez décider de développer après avoir trouvé 8 pages. Tenez-vous à l'interrupteur, grand homme, quand vous serez prêt. On n'a pas oublié ma belle, le plus de décors, davantage de personnages insupportables à aider. Vous voyez, c'est comme ça, juste pour avoir plus de pages, mais dès que vous n'êtes pas obligé, dès que vous avez assez de pages comme moi, ben... Si vous n'êtes pas obligé de faire tout le tome 2, ben, tout le grand tome 2, celui du glace. Et puis, voilà, vous pouvez juste continuer à avancer, genre, c'est juste, si vous faites plus de pages, ben, tant mieux pour vous, tu sais, c'est pas... Je sais pas, personnellement, ça à quoi, puisqu'on récupère des pages pour ouvrir d'autres tomes. Mais si on les agrandit, on a plus de pages. Alors bon, c'est quand même... Moi, j'avais juste... Parce que moi, j'ai commencé à découvrir le jeu. Ah bon. On est dans un marais un peu glauque, à ce que je vois. Alors bon, on va utiliser la petite technique que je préfère, puis marcher sur... Alors là, est-ce que c'est... Est-ce que je tombe dans le vide ou est-ce que c'est un... Bon, on va sauter. Ok, non, c'est pas... Je tombe pas dans le vide, mais je tombe au ski. C'est pas le bon lot. De toute façon, des deux côtés, je prenais un coup, là, bon. Ok, moi, je pensais que c'était... Ah, ok. Attention, faut pas tomber. Ah, bon, le niveau des marais. Encore des mosses, encore des monstres plus moches qu'avant. Mais bon. Là, je pense qu'on va essayer de... On va essayer de récupérer un maximum de papillons. Parce qu'on est un peu dans la mouise. Oh, le serpent encore. Oui, c'est... Bienvenue les amis, comme je suis content de vous voir. Alors la saucisse, tu n'es pas encore fait choper par les Frédéraux. J'ai pensé à lancer une société de livraison par drone breveté Trouser. Livraison de nouvelles techniques directement sur votre paillasson avec une vidéo d'instruction faite par moi-même. Qu'en dites-vous? Je ne te ferai pas de confiance pour me livrer à mes plans emportés. Super, merci de votre soutien. Bien, et si on jetait un coup d'œil à ce qu'on a en stock? Alors bon, regarde ce qu'il y a de nouveau. La croche langue ou le son explosif. Ah, ça serait bien. Une remise de 2%. Alors on va essayer le croche. On peut les acheter deux. On va les faire. Excellent choix. Vous êtes sûr de vouloir cette technique? Oui, bien sûr, comme toujours. Parce qu'il nous faut tout de toute façon. Vous êtes obligé de les avoir. Allez, ensuite la trophée des serpentistes de l'année. Comment tu as pu remporter un trophée comme ça avec une de tes techniques? À moins que tu nous as vendu... À moins que tu ne nous vendes... que les plus pourrites. Ils ont dû reconnaître mes capacités techniques miraculeuses. C'est-à-dire ton physique crapuleux plutôt. Lei, vas-y, dis-nous ce que tu as. Avec Croche Langue, notre ami Lézard pourrait s'accrocher à des prises spéciales en se tournant vers elle en appuyant son sourcil. Tu peux traverser des fossés, t'accrocher au décor et autres. Ça a l'air génial, on reviendra si on oublie quelque chose. Ah bon, et le solar explosif, de toute façon. Puisqu'on est déjà là et déjà on a déjà les plumes. Excellent, comme toujours, il nous dit la même chose. Cette nouvelle technique fait du bruit, elle n'est pas utilisée près d'une fenêtre. Merci. Avec son explosif, tu peux créer une explosion sonique dévastatrice pour étourdir tous les ennemis à proximité. Ça a l'air pas mal, sans vouloir trop m'avancer, bien sûr. Comment ça marche, Jean-Michel? Pour utiliser son explosif, il suffit d'appuyer sur Left Control et appuyer sur Left Tab. Vous pouvez acheter des comprimés pour la migraine. Cette technique est un vrai casse-tête. Voyez mon rabis de 2%, voleur. Elle a dit left shift. Non mec, c'est quoi le truc? Oh, pas pire. C'est comme ça qu'on l'utilise. Hey ya. Ok, c'est cool. Bah de toute façon j'ai plus de plumes, alors bon, moi lui il m'a dit de regarder. Oh, ok, c'est fucking bien, mais ça pourra nous servir
dans le truc de l'eau. Et voilà un monstre méchant. À l'attaque du monstre méchant. Yo ! Attendez, attendez. Hiya ! Voilà, dès qu'il passe, il faut l'attaquer. Voilà, une fois. Dès qu'il va nous attaquer, il faut bouger. Toujours rester en mouvement un peu à gauche, à droite. Oh, parce que je veux faire une fête. Oh, oh, oh. Oh, what the fuck, il m'a eu. Mais attends, il a fait une attaque pour passer. Là. Oh, 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 est-ce que je bouge? Il est sournois. Oui, oui, oui. Yeah. Une deuxième fois, allez, une troisième fois, une troisième. Raté. Et voilà, on l'a eu. Voilà, il faut juste l'avoir trois fois. On bouge en même temps. Et puis voilà, le monstre pourra jamais nous toucher comme ça. Alors, le roi des marais, le roi des marais. Et bah là il nous faut toutes les plumes parce que là je pense qu'on va avoir besoin de 140. Bon, ça les voyez nouveau tonifiant, viens me voir. Bon, ok, c'est comme toujours. Ça c'est beau. Ouais, là c'est vraiment, il faut vraiment chercher plus de plumes là au maximum. Je pense que, bah non, on a pas encore le truc pour se camoufler. On n'a pas encore le truc pour se camoufler des... Ah, je peux pas, ok. Ouais, mais... Je pense pas que c'est par là, là. Bonjour, monsieur Citrouille. Non. Ok, on peut pas aller par là. Je pense que ça nous a juste servi d'attraper le fantôme et c'est tout. À moins que non. Bingo. Allez, attrape la plume. Attrape la plume. C'est quoi, c'est des bombes ça? Ou une pagie? Ok. Donc on est obligé de courir alors. On est obligé de courir. Ok. Mais comment tu fais ça? Mais je peux pas. Vous êtes obligé de, vous êtes obligé de nager. Alors là, on voit très bien qu'on peut pas. Oui, si on peut, mais c'est vraiment trop étroit, quoi. Oui, nous l'avons eu. Ouais, c'est un peu compliqué parce que là, c'était vraiment pas bien placé pour nous, là. C'est comme mal placé, on peut se le dire. Oh, ok, pas mal de choses ici. Je vois qu'il y a des choses de ce côté-là. Ah mais what the fuck, je l'ai tapé. Ok. L'autre monstre, je sais pas où est-ce qu'il est, je pense qu'il est parti. Est-ce qu'il me siffle? Ah. Ah, attends, on va t'aider un peu toi. What? Mauvais. Je pensais l'attaquer de tous les côtés, malheureusement ça ne faisait pas. J'ai attends une seconde, est-ce que le sonar explosif marcherait? Mais non. Malheureusement le sonar explosif marche pas trop.
Il y a pas mal de choses, voit qu'on peut utiliser plusieurs passages. Voilà. Ça, ça me mène où? Ok, ça me mène au point de départ. Ce qui est pas si grave, alors bon. Toujours utiliser des corps à son avantage, ce qui est assez bien. Ah quoi, comment les mecs, bah, t'as le droit de faire un super saut mais t'as pas le droit d'utiliser les plateformes pour ton avantage. Comme par exemple là ici. Hop, pourquoi passer par là alors je peux utiliser carrément la boîte. Bon là je sais pas ça me sert à quoi mais... Vous voyez normalement on serait obligé d'utiliser ma langue. Ah c'est pas con ça. Normalement ça servait pas à grand chose, comprenez, genre on aurait utilisé nos tactiques. Mais là pourquoi? Eh est-ce qu'il me suit bordel plutôt là, là. Et le mec qui me souffle mec. Oh le coin. Le petit coin coin. Je vois qu'on a. Oh! C'est un combat à la mort. Ya! Yeah. Non! 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 Oui! Bon. Ils nous ont bien eu, mais oh, malheureusement pour eux, on est plus intelligents qu'eux. Ok, c'est faudra... Non mais j'ai refait le même truc. Non. Je suis con. Là, il me faut une grande langue ici. Et pour faire des sauts d'athlète, lui est fucking fort. Non mais j'ai appuyé. Regardez, j'appuie. Ouais mec. Là c'est de la bullshit. Là j'avais appuyé. Hey. Là c'est pas pour se mentir les mecs là. Là j'ai appuyé. Hop. Mais mec. Mais attends, mais. Yo, vous avez vu, j'avais entendu le son. Ça l'a pas pris. Ça l'a juste pas pris. Je sais pas pourquoi. Ah mais attends, mais c'est quoi cette blague? Vous avez très bien entendu, j'ai fait. Puis ça a rien fait, ça a rien fait du tout. Genre j'étais comme. Hein? Je peux pas vraiment utiliser le décor à mon avantage, mais... En fait, si, je peux. Bah ok, je peux pas. Non mais ça c'était de la bullshit. On peut se le dire les mecs, ça c'était de la bullshit. Parce que là, vous avez très bien entendu le coup de langue. Et il y a rien qui s'est passé. Il y a rien qui s'est passé. Genre, je faisais, la langue sortait, mais elle attrapait pas. Ah c'est une autre chose. On l'a pas fait si genre j'ai juste skippé la moitié du niveau. Mais c'est Citrouille. Bonjour monsieur ou madame Citrouille. On cherche des pages. Est-ce que vous avez vu? Bonjour les arts. Bout de papier attrapé par piège là-bas. Piège activé par éclaboussure. Les arts restés au sec. Ok cool. J'ai combien de temps exactement? Mais what? Eh, j'ai pas de cello là. Voilà. Ça c'est le monsieur serpent à sonnette. Là c'est là, on a attrapé le méchant, oui. Là, je veux dire le méchant fantôme. Le tonifiant est là-bas. Il y a tellement de chemins possibles. À la fin, ça devient un peu mélangeant. Alors, est-ce qu'on a un nouveau collectionneur? Collecte des plumes. Ok, pourquoi pas. Ah, c'est un nouveau gars.
Quoi de neuf, homme lézard? Je suis Wally, cette parcelle de champignons est à vous? Salut Wally, non, elle n'est pas à nous, elle s'intéresse plus au génocide de base. J'ai à continuer comme ça, ce niveau est mon domaine, je cultive ces délicieux champignons du coin pour mon stand de marché de fermier. J'adore le marché, les prix sont exorbitants et éloignés les racailles. C'est clair, dites-moi comment vous pouvez m'aider à détruire cette parcelle de champignons. Elle m'appartient, je suis sûr d'avoir une lueur dorée à l'intérieur. On s'intéresse à tous les types de lueurs dorées, on va essayer pour voir. Moyen pour faire taire cette voix responsable. Génial, n'oubliez pas, ils ne sont pas tous éliminés, ils reposeront. Il doit bien avoir tous les moyens d'éliminer tout un seul. Ok. Ok. Encore un autre. Steve, une autre triste toujours dans le marais pour Oli. Si moi poulet, as-tu des pages dans ton lire-dure? Steve, le seul truc que vous pouvez dans mon panier est un cœur brisé gonflé en désespoir. Que peux-tu nous dire de cet impérial, Oli? Sniff, il est vraiment horrible, silencieux, sinueux et infini. Et pour empirer les choses, les murs se déplacent pour empêcher les intrus d'attraper la page à la fin. Attendez une seconde, juste parce que là, il y a G-Force qui va me coller ça au cul. Sniff, j'imagine que vous avez trouvé ce que vous aimez ça. Ça n'a pas l'air pire que certains défis qu'on a affronté jusqu'au présent. On va tenter le coup. Sniff, bonne chance, mais il n'y a pas de lumière au bout du impérial. Pauvre petit Oli. Pauvre petit Oli, ok. What the hell? Mais fout-toi de ma gueule, mec. Ils sont si agressifs. De toute façon, elle est en train de les troller. On peut pas ici. Trop facile. Trop facile. Eh ben, d'y penser nous mind brain, mais c'est nous qu'on l'a mindé parce qu'avec le truc qu'on pouvait faire avec ça. On a juste trop mind brain le jeu, t'sais. Alors bon, continuons. Ouais, c'est pas là où ça m'était. So long, suckers. Moi, je vais utiliser mes pouvoirs pour... Ok. C'est toujours bien d'explorer les hors limites du jeu. Parce qu'on peut voir très clairement par où aller et par où commencer. Bon, ça c'est par là où je suis venu. On va chercher la petite pagie. Ça c'est les monstres qu'on avait affrontés. Celle-là je t'ai bloqué. Et puis où le truc pour la pagie, bordel? Nice. Alors, ça a l'air d'être par là-bas si je me trompe pas, parce qu'ici... ça c'est fait, ça c'est fait. Là-bas ça a pas l'air d'être fait. Ou peut-être que si... Je ne suis pas sûr. On va aller vérifier. Qu'est-ce que ça nous coûte? Alors un peu de temps. Ah, c'est des papillons, bordel. Oh, crotte, je suis con. C'est moi, je vois une... Ah, c'est... Non, c'est tonifiant, mais... Ça veut dire qu'il n'y a plus rien de ce côté-là. Ça, c'est les meilleurs qu'on vient de faire. Il faut vraiment que je les écrase tous. Quoi bon, hein? Ok.
Bah, j'ai pas fait lui encore. Absolument rien, ok. Ça, on l'a déjà fait. Alors bon, vous savez quoi, on va s'arrêter là pour l'instant tout le monde. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo sur Yooka-Laye. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout pour le prochain épisode. Ciao les potos.